travail, toujours le travail. À Brazzaville, ils ont choisi le marché de Mati où ils ont fait leur parking. Ces motocycles Kawaki offrent une débrouillardise de taille aux jeunes adolescents ayant eu un avenir scolaire quelque peu prometteur. Une fois à bord sur leur moto Kawaki respectif, ces jeunes passés maîtres du rembourseement à Brazzaville font toutes sortes de démonstrations. On va dire qu'ils s'amusent avec, soit par une série de changements de place, genoux allongés, la place de la selle vide, parfois même à deux, côte à côte, guidant au milieu, ou encore faisant des marches arrière remarquables. On y trouve également des jeunes handicapés qui y gagnent leur vie. Les marchandises de prédilection restent les sacs de foufou que l'on trouve à foison au marché de Mati. Et dans les remplisseurs, ne manque pas de qualité. À l'image de ce jeune homme qui met les sacs de foufou sur les épaules sans tenir de la main. Bien. Peu importe qu'ils soient quelque peu nombreux, cependant, la concurrence reste. Dans ce parking, tous les conducteurs des motos Kawaki sont bien connus des commerçantes. Ensemble, ils partagent le quotidien des affaires et entreprennent le vivre ensemble. La plupart des motos Kawaki ont des plaques d'immatriculation, portent le nom de leurs propriétaires et les conducteurs sont munis des casques de sécurité. Sur les principales artères de la ville de Brazzaville, ils sont les maîtres du vrombissement à cause du bruit de leur moteur et le coup de klaxon strident. Il faut les voir se faufiler au beau milieu de la voie publique. Les Brazzavillois habitués à ce genre de bruit les ont baptisés Kawaki et Semak. Qu'à cela ne tienne, la vie continue. Le plus célèbre de ces conducteurs bien connus s'appelle Chonsky Yundu, alias Yorobo. Âgé de seulement 20 ans et en exercice depuis 2 ans, il est abordé par Vérité 242 sur la question et il nous parle de son parcours historique. Bonjour, moi je m'appelle Kindu Chance, mais souvent mes amis m'appellent par Yorobo. Je suis un simple chauffeur à Kawaki. Ça fait déjà 10 ans. Depuis 2015, je conduis le moto, je suis dans la circulation, j'ai déjà presque 2 ans. Donc je suis un ancien chauffeur. J'ai appris à conduire le Kawaki là, grâce à mon frère. C'est mon frère qui connaissait ça depuis. Et puis il m'a appris à conduire ça jusqu'à maintenant. Je suis maintenant un bon chauffeur. Mes amis m'appellent Yorobo parce que je suis un cascadeur. Dans le moto Kawaki. Hein? Je suis un chauffeur. Parce que j'étais un élève à l'école, j'ai fait l'examen 2 fois, j'avais raté. C'est pour cela que ceci m'a poussé d'être un chauffeur, moto Kawaki. Oui, ça me permet un peu, parce que chaque jour je travaille, ça me permet d'acheter quelque chose, mais. Je travaille chaque jour, mon recette c'est à 15 000, ça a même monté avec le taxi. Ici le taxi verse 17 000, 15 000. Moi aussi mon Kawaki là, le recette c'est 15 000. Donc c'est la même chose. Bon, je sors très tôt, hein, parce qu'il y a 6h, 7h. Et puis je finis à 19h parce que le 20h c'est déjà tard. Les policiers routiers nous embrouillent. C'est pour cela que je finis à 18h, 19h. Les policiers, parce qu'à la moto, il n'y a pas de question de dérange. Je suis à l'aise, je travaille bien propre, à part les policiers. Les policiers routiers. Ils nous dérangent à propos des papiers. Si tu n'as pas de papiers, tu te prends plus le permis. Mais moi, j'ai mon permis. Non, le petit Yorobo, c'est un petit courageux.
obusito yebi vraiment un petit courageux petit moko vraiment bien asala ka vraiment eve moko na wewa obusito monaka vraiment c'est un petit vraiment akeli boso asala ka ana salaire na bien c'est un petit vraiment te séparer mingi biso ba vient na ye vraiment to monaka ba akse petit na biso quoi concerne ko pesa na petit ali petit na biso concerne ko pesa na ye Nandenge Moussana Salaka, vraiment, à continuer Kaka. Moussalaka Nengwana, Ndambe a relevé toujours. Vraiment, conseil nous à Pessina Pétion. Non, vraiment, Pétion a Salaka bien. A Bossara bien, a Mimabé bien. Nana Yuri Kambonete, quand même Pétion, quand même savoir. Toi qui veux rire les carrosses. Toi qui veux boire et manger, toi qui veux jouir de la vie, toi qui veux bien t'habiller, toi qui veux bien t'amuser. Il n'y a qu'un secret, c'est le travail. Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail. Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail.